a lancé un recours devant le Conseil d'État qui sera examiné aujourd'hui. Europe 1, 7h34. En football, les Françaises vont-elles décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde ? On le saura cet après-midi à 13h. Les Bleus affrontent le Maroc en 8e, une rencontre qui sera très particulière pour plusieurs acteurs du match. Hervé Renard, d'abord l'entraîneur de l'équipe de France qui avait aussi coaché l'équipe masculine du Maroc. Reynald Pedros, le sélectionneur de l'équipe marocaine qui est français. Enfin sur le terrain, la défenseuse des Bleus, Sakina Karchaoui, qui est d'origine marocaine et pour qui ce match sera donc rempli d'émotions. Ben déjà, il faut savoir que j'ai deux parents 100% marocains qui sont nés au Maroc. J'ai des frères et sœurs aussi qui sont nés au Maroc, donc c'est sûr que j'ai été un peu chambrée à ce niveau-là. On sait très bien la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France. Ça va être un match plein d'émotions et ça nous fait rappeler un peu la Coupe du Monde des garçons où il y a eu le France-Maroc. Donc c'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc, ça va être ma première fois. Je suis fière de mes origines et aujourd'hui je tombe contre ce pays en 8e. Mais malheureusement, il faudra gagner, donc je leur souhaiterai pas le meilleur pour ce match-là.